Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe qui fête ce soir le retour de Patrick. Salut Patrick. Bonsoir Patrick. Voilà, on dit bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick, bienvenue. Et votre édito ce soir? Éric Zemmour contre une loi liberticide, a-t-il dit hier soir sur TF1. On va voir de quoi il s'agit. Vous ferez un peu d'histoire. Mohamed, dans votre story du jour. La France découvre le MeToo politique. Les témoignages s'accumulent. Je vous raconte cette histoire ce soir. Mathieu. Vous avez peut-être remarqué que Barbara figurait parmi les visages qui composaient la vidéo d'Éric Zemmour pour son lancement de campagne hier. Le sang de son neveu n'a fait qu'un tour. Et il sera sur le plateau de C'est à vous ce soir pour nous Bernard en parler. Seff. Bernard Seff, exactement. Ce sera tout à l'heure dans le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Autant de sujets qu'on soumet à notre invité, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Mais bien sûr, c'est sans compter sur l'œil de Pierre. Mais non, j'avais pas oublié, Pierre. Et justement, les plus belles manières de déclarer son amour à travers le monde, qu'on ait beaucoup d'argent ou simplement beaucoup d'amour. Ça intéressera forcément Françoise Fabian, qui nous parle ce soir d'un film génial et qui prouve que non, la vieillesse n'est pas forcément un naufrage. Au contraire, c'est peut-être le début d'une nouvelle vie. C'est un film réjouissant qu'elle nous présente ce soir, qui s'appelle Rose, réalisé par Aurélie Saada, que vous connaissez du duo des Brigitte. Elle est notre invitée du dîner aux côtés d'Aurélie Saada et de Marie Dariussecq, qui raconte dans un livre ses insomnies. Ne pas dormir, pas dormir, c'est le titre de son ouvrage. Tout ça autour d'une tweet du Césalier. C'est le dernier menu de la semaine proposé par Olivier Valade. C'est son dernier soir et c'est un feu d'artifice, cher Olivier, ce soir. Bonsoir à tous, merci. Donc oui, ce soir, une belle tweet du Césalier, donc la ferme aquacole du Césalier de Stefanini. Une truite qui est tuée un peu particulièrement, elle est ikejime, c'est une méthode traditionnelle japonaise. Et donc le poisson n'est pas du tout stressé et surtout on arrive à bien enlever le sang. Voilà. Ah, ouais. Et donc accompagné de champignons, trompettes, girolles, chanterelles grises et tout ça pour faire une belle assiette tout à l'heure. Merci chef. Chef du restaurant. Le poisson peut donc être stressé. Ben oui, bien sûr, s'il est stressé au moment où on le pêche. Là, c'est des tweets détendus qu'on dégustera ce soir. Servi par ce chef étoilé du restaurant La Chapelle au Château Saint-Jean à Montluçon. Il est depuis 3 ans et son élection à la présidence de l'Assemblée nationale le 4e personnage de l'État. C'est aussi le premier à avoir cru aux chances d'Emmanuel Macron à une époque où même les sondeurs ne le testaient pas. C'est aujourd'hui celui en qui le chef de l'État a le plus confiance, le taulier de la Macronie, chargé de mettre la majorité en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales, l'architecte de la maison commune qui a pendu sa crémaillère lundi soir à la Mutualité. Notre objectif, c'est la réélection du président de la République, c'est la réélection d'Emmanuel Macron. Et je voudrais remercier, vous ne serez pas surpris. Merci à toi, Richard. L'architecte, le grand organisateur de notre maison commune. Richard Ferrand. À l'heure où nous parlons, nous n'avons pas de candidat. Mais on se dit que ça fait quand même du bien d'être ensemble. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et ce soir notre invité. Bonsoir Richard Ferrand, merci d'être présent ce soir sur le plateau. C'est à vous pour évoquer le lancement du mouvement Ensemble Citoyens qui rassemble tous les soutiens du chef de l'État en vue de sa réélection. Lundi soir, à l'heure où vous parliez, vous n'aviez pas de candidat, vous n'en avez toujours pas ce soir. À cette heure, non. Non. Mais on espère le même. Mais c'est un vrai faux suspense, la candidature d'Emmanuel Macron, un peu comme celui qui a finalement pris fin hier. Non, ce n'est pas un suspense. Nous avons besoin que le président de la République préside. La France, jusqu'au dernier quart d'heure. La France et puis ensuite l'Union européenne. Mais vous savez, il ne faut pas accorder trop d'importance au moment où il choisira de s'exprimer. Quand je suis dans le Finistère chez moi, personne ne doute que le président de la République sera candidat. C'est pourquoi je me dis que les Français ne sont pas très impatients de savoir quand il le dira, puisqu'ils ont l'intime conviction qu'il le sera. Oui, mais on a tendance à peu prêter le flanc aux critiques de l'opposition, qui dit que le président est en campagne sans le dire. Oui. Ça, c'est vieux comme la République. Oui, on l'a fait pour François Mitterrand. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une critique valable. Si, quand même, puisqu'on s'est rendu compte que c'était assez inopérant. On n'attend pas du président de la République que, quelques semaines avant le scrutin, il arrête de travailler, il se mette en RTT, en quelque sorte, et puis il dise « Tiens, je vais aller en campagne ». Le président doit présider. Par surcroît, il faut qu'il préside l'Union européenne, puisque c'est autour de la France. Ouais. Il a donc du travail à faire.
Et il se déclarera quand il jugera ça opportun. Et profiter des vœux du 31 décembre pour se déclarer, ça c'est ce que suggère avec Malice l'éditorialiste de Challenge, Nicolas Domenac, c'est une bonne idée ou... Ah, je trouve que ce ne serait pas une mauvaise, parce qu'en général, ces cérémonies sont, je trouve, pas très passionnantes. Ça mettrait un peu de piment à ces vœux-là. Bah, ça animerait le réveillon des journalistes. Et peut-être ceux des Français. Peut-être aussi. Peut-être. Hier, c'est donc Éric Zemmour qui déclarait sa candidature. C'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Patrick, vous faites un peu d'histoire ce soir, c'est toujours utile, en revenant sur un passage de l'interview d'Éric Zemmour hier soir aux 20h de TF1. Oui, quand Gilles Boulot lui a demandé s'il pouvait devenir président après avoir été condamné par deux fois pour des propos racistes. J'ai été condamné sur le fondement de ma liberté d'opinion. J'ai été condamné par une loi, sur le fondement d'une loi que j'estime liberticide et que je proposerai d'ailleurs d'abolir. Délit d'opinion, loi liberticide, la loi dont il parle, la loi Pleven, est l'une des bêtes noires, l'une des vieilles obsessions de l'extrême droite. Et preuve que ce n'est pas anecdotique, les partisans de Zemmour en ont fait un visuel sur les réseaux sociaux. Vous allez le voir, liberté d'expression, supprimons la loi Pleven. Ce n'est pourtant pas une... Bon, à moins que le président Zemmour parvienne à l'abroger, elle fêtera ses 50 ans l'an prochain. La loi du 1er juillet 72 a donc été conçue dans l'âge d'or de la France de Zemmour, celle où on pouvait garer sa deux chevaux ou sa dauphine sur la place de la Concorde, comme on le voit dans son clip hier. Et elle n'a pas été signée par les bien-pensants que dénonce le candidat, mais par Georges Pompidou, Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, et René Pleven, compagnon de la Libération. Il avait rejoint De Gaulle à Londres. C'est comme garde des Sceaux que Pleven a laissé son nom à cette loi. En réalité, ce texte doit beaucoup à un autre grand républicain, un descendant d'esclaves guyanais devenu président du Sénat pendant 22 ans et qui était l'auteur de la première proposition de loi, Gaston Monnerville. Et ce qu'on devrait appeler la loi Monnerville a été votée par les députés unanimes et par les sénateurs unanimes. Je parle sous le contrôle du président de l'Assemblée nationale. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'exemples d'un tel consensus dans l'histoire parlementaire. Il faut dire que la France connaît dans ces années-là une flambée de racisme sans précédent depuis la guerre, selon témoigne un sujet télévisé au moment du vote de la loi. Trop de juifs. Halte à la négrification. La France aux Français. Graffiti vengeur barbouillé sur les murs qui vise les 3 500 000 étrangers qui vivent en France. Cible favorite, les Algériens, les Noirs et les Portugais. Et ce ne sont pas seulement des mots, c'est aussi l'époque des ratonnades. Au moins 70 Algériens victimes de crimes racistes entre 71 et 77. Il n'y avait pas de loi antiraciste avant 1972 ? Si, en avril 1939, vous voyez le contexte, la loi Marchandeau est venue punir les diffamations visant les personnes en raison de leur origine, de leur race ou de leur religion et qui ont pour but d'exciter à la haine. Les journaux antisémites comme Gringoire et Je suis partout, qui était évidemment visé, crie au scandale, au nom justement de la liberté d'expression, et ils seront vite entendus puisque le texte est abrogé par le régime de Vichy. Il rétablit à la Libération, mais cette loi était difficilement applicable, notamment parce que seul le parquet pouvait engager des poursuites, impossible alors de porter plainte. C'est l'un des grands changements de la loi de 72 qui donne la faculté aux organisations antiracistes de saisir la justice, une loi qui réprime aussi les discriminations dans l'emploi, le logement, dans la vie quotidienne. Après le vote, le MRAP avait découvert dans les fichiers de la NPE des milliers d'offres d'emploi où il était écrit « pas pour des gens de couleur » ou « pas pour des Arabes ». Enfin, la loi de 72 crée un délit de provocation à la haine raciale. C'est sur ce motif qu'Éric Zemmour a été condamné par deux fois. En résumé, abroger la loi antiraciste de 72, conçue sous Pompidou, approuvée par toutes les forces politiques de l'époque, considérée comme un pilier de l'état de droit et dont le principe est inscrit dans la Constitution, eh bien, abroger cette loi nous ramènerait formellement 75 ans en arrière, c'est-à-dire sous Vichy. Peut-on devenir président après avoir été condamné deux fois pour incitation à la haine raciale, Richard Ferrand ? Les électeurs en décideront. Mais surtout, ce qui me frappe dans la démarche d'Éric Zemmour, c'est qu'il a le comportement du pire des politiciens, en vérité. Mmh. On sent qu'il a 40 ans de cynisme derrière lui. Et surtout, il n'est pas ce qu'il donne à voir. Regardez, il fait son clip vidéo, son annonce avec la componction d'un prélat. Et en même temps, à Marseille, il fait des doigts d'honneur. Ce n'est pas en phase avec sa manière de se comporter. Il a choisi le jour de son annonce, le jour où précisément entrait Joseph Hiedemaeker au Panthéon. Et au fond, on se dit que... Tout son discours, il a des propos extraordinairement misogynes, mais voilà qu'il dit vouloir protéger nos femmes et nos sœurs de l'hypothétique
obligation de s'habiller comme ci ou comme ça. Donc ce qui est frappant, c'est son insincérité absolue, son opportunisme. Et lui qui veut se présenter comme un homme différent utilise en vérité les plus vieilles ficelles que plus personne n'utilise aujourd'hui. C'est véritablement assez pathétique de se vouloir le chantre de la lutte contre, au fond, celles et ceux qui aujourd'hui font de notre vie démocratique en utilisant les ficelles politicardes les plus éculées. Et sur le fond, sur ces transgressions, j'en ai cité une, mais on pourrait en citer d'autres. On a souvent parlé de son rapport à l'histoire, mais aussi là, de cette loi qui est importante pour réguler nos vies et notre façon de vivre ensemble. Ce qui est très choquant, mais tout l'est. Donc les mots ne veulent plus dire grand-chose. C'est l'ensemble qui est un peu obscène. C'est une sorte de berlusconade. J'ai été condamné par une loi, donc je vais abroger la loi. Et de la sorte, je ne serai plus condamnable. Ensuite, il oublie de dire que le racisme, les incitations à la haine, dans notre état de droit, c'est un délit. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. C'est un pas de civilisation que de faire en sorte que qui crie à la haine soit condamné. J'ajoute que sur l'identité qui l'obsède, ça pose un problème de fond. Évidemment que la France a une identité. Mais il voudrait la figer dans le temps. Il choisit la période où la France est France. Mais quand est-ce que la France était plus française à une époque qu'à une autre? Sous Clovis? Sous De Gaulle? Sous Napoléon? Sous Robespierre? Ensuite, est-on meilleur français si on est républicain avec Clémenceau? Monarchiste avec Bernanos? Nationaliste avec Péguy? Européen avec Victor Hugo? Non. La France, c'est tout ça. L'histoire française est un bloc. Et l'identité française, c'est d'abord une mémoire. Et c'est une sorte de palimpseste de la mémoire. Et notre identité s'écrit tous les jours. Donc oui, évidemment, il y a une identité française. Mais c'est d'abord une mémoire que parfois certains Français peuvent perdre et que des étrangers qui arrivent peuvent acquérir. C'est ça, la France. Ce n'est pas vouloir figer de manière artificielle dans le temps l'idée que l'identité serait ceci ou cela. L'identité, c'est quelque chose de vivant. C'est tout autant la famille arc-en-ciel de Joséphine Baker que les radotages de ce polémiste. C'est comme ça qu'il faut considérer l'identité. Moi, je n'ai pas peur de ce mot. Dès l'instant qu'on en prend une acception qui comprend que c'est une mémoire, ce sont des couches sédimentaires de ce que nous avons vécu et que ceux qui vivront après nous, Français, vivront différemment. On voit bien votre proximité avec Emmanuel Macron, y compris dans les mots. Hein, palimpseste, vous lui avez piqué, il dit à plusieurs reprises. Vous soufflez ? Ah oui, c'est peut-être dans ce sens-là. Le 7 novembre, vous dénonciez l'invraisemblable bienveillance et des médias à l'égard d'Éric Zemmour. Il faut se réveiller collectivement. Seuls les médias sont responsables de sa percée dans les sondages ? Non, non. D'ailleurs, je n'ai pas voulu... Simplement voulu dire que, comme il faisait le buzz en permanence, pour toute une série de déclarations provocatrices. Et il le faisait pour ça. Comme il vient du milieu, il sait comment ça marche, mieux que d'autres. Et donc, il a bénéficié des micros tendus, comme on dit. Il a bénéficié un certain nombre de choses. Moi, j'ai déjà discuté avec un certain nombre de vos confrères qui eux-mêmes me disent que dans leur rédaction, c'est pas toujours simple de savoir comment traiter un objet politique non identifié comme celui-là. Eux-mêmes, ils se posent des questions, et je le comprends. Mais il y a aussi le fait que il est de la profession et il est connu sans doute sous des dehors sympathiques ou agréables, de sorte qu'il est toujours plus difficile de traiter avec distance quelqu'un qu'on connaît que quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est cela que j'ai voulu dire lorsque j'ai exprimé ce propos que je pourrais tenir aujourd'hui. Ici même, Arnaud Montebourg, candidat à l'élection présidentielle, affirmait qu'il y avait une douce tolérance du pouvoir à l'égard du polémiste qui n'était pas encore candidat. Éric Zemmour lui-même, dans son dernier ouvrage, « La France n'a pas dit son dernier mot », raconte par le menu un long entretien téléphonique avec le président, 45 minutes au cours desquelles Emmanuel Macron lui aurait demandé une note concernant un plan sur l'immigration auquel il réfléchit. Info, intox. Je n'en sais rien, mais je ne serais pas surpris. Le président de la République, précisément, n'est pas un homme seul, enfermé, isolé. Et lorsque... il a des rencontres dans ses déplacements n'importe où en France. Lorsque il entend tel ou tel propos, il peut prendre son téléphone, appeler, dire « Mais pourquoi vous pensez ça ?» etc., etc. Il s'intéresse, il s'interroge. Et souvent, il dit
écrivez-moi pour me dire ce que, comment vous voyez les choses. C'est pas, je vous ai demandé un plan, quoi plus aussi, un ministre peut-être. Non, c'est de dire, mais il le fait avec, lorsqu'il vient... Avec des adversaires politiques également. Mais bien sûr. Ce qui est Éric Zemmour aujourd'hui. Mais bien sûr, un adversaire politique, il y a zéro doute. Mais ce n'est pas parce que vous demandez à un adversaire politique, à quelqu'un avec qui, dont vous ne partagez pas les idées, soyez plus explicite, dites-moi comment vous voyez les choses, etc., que vous, soudain, vous en seriez complice. J'ajoute que le rôle du président de la République, après tout, c'est d'être véritablement à l'écoute des Français et de demander à tous, y compris à ceux qui font du raffut, écoutez, explicitez un peu votre pensée, ça m'intéresse. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, ça ne m'étonnerait pas, et s'il l'a fait, c'est plutôt bien. C'est vrai que le discours d'Éric Zemmour séduit, recueille entre 13 et 15% d'intention de vote dans les sondages. Qu'est-ce qu'on vous dit dans les bistrots d'Éric Zemmour? Parce que c'est votre truc, hein. Tous les week-ends en Bretagne, vous faites, selon votre propre expression, les bistrots. Vous écoutez les Français. Je ne fais pas que les bistrots. Je vais dans les communes, je vais dans les fermes. Vous allez à la rencontre des Français. Je vais dans les magasins faire mes courses. Qu'est-ce qu'ils vous disent d'Éric Zemmour et de Mme Macron, mais surtout d'Éric Zemmour, là, puisque c'est le sujet? Eh bien, je ne sais pas si vous allez me croire, mais d'Éric Zemmour, rien. Parce que je ne lance pas les questions. Je discute. On voit bien quels sont les sujets qui viennent. Et Zemmour n'est pas un sujet de conversation? Jusqu'à présent, personne ne m'en a parlé. Je rentre chez moi demain. Si vous voulez, je reviens lundi, je vous raconterai. Mais à ce stade, personne ne m'a jamais dit « Alors Zemmour, qu'est-ce que tu en dis ?» Personne. Et ensuite, sur le président de la République, il y a, je trouve, moins de... les critiques, il y en a, bien sûr, mais sont moins acerbes qu'elles ont été. Et c'est la première fois dans ma vie politique que nous recevons des encouragements et même... Première fois de votre vie politique? Oui, où il y a des formes de remerciements par rapport à la gestion économique des choses, le fait qu'on a préservé des emplois pendant la crise par l'activité partielle qui était financée, le PGE qui a permis à des entreprises de tenir. Vous voyez, j'ai remis à un transporteur de voyageurs la Légion d'honneur samedi dernier, il y avait de 200-300 personnes, j'ai discuté, là je suis resté un peu discuté, et il y a cette reconnaissance que la France a tenu, que les choix ont été bons pour sauver l'emploi, l'outil de travail, etc. Je ne dis pas que tout va très bien, que je ne suis pas en train de vous dire ça. Je vous dis simplement qu'il y a eu le sentiment qu'ensemble, avec les soignants, avec les gens qui vont au domicile des anciens, avec les mesures économiques, etc., le pays a tenu. Ça, c'est très fort. Si les critiques sont moins acerbes, c'est parce que le président joue l'apaisement, il y a moins de petites phrases, il a renoncé au chantier de la réforme des retraites, qu'il voulait pourtant relancer, sur vos conseils. C'est vous qui lui dites, voilà, le meilleur moyen pour se faire élire, c'est de n'effrayer personne jusqu'au scrutin. Non, non, vous savez, je vais vous dire, moi je ne suis pas un collaborateur du président de la République, je ne suis pas son conseiller. Le président de la République, quand il en a envie, il me demande mon avis. Et la réforme des retraites, vous l'avez dit, c'est une bêtise. Quand il ne me demande pas mon avis, parfois je le lui donne quand même. Ensuite, il en fait bien ce qu'il en veut. Et j'observe que parfois, il en tient compte parce qu'il doit le juger pertinent. Parfois, il n'en tient aucun compte parce qu'il doit le juger pas pertinent. Et parfois, il en tient un peu compte. Voilà. Moi, je suis président de l'Assemblée nationale. Il est président de la République. C'est mon devoir que de lui dire ce que les députés qui représentent le peuple français viennent m'exprimer. Et je lui dis, voilà ce qu'on me dit, que les députés soient de là ou d'ici. Et ça me paraît normal que le responsable de l'Assemblée nationale interpelle le chef de l'exécutif pour attirer son attention. Quant aux retraites, avant même qu'il y ait tous ces débats, j'avais donné une interview au JDD, je me souviens. J'avais dit que c'est une excellente réforme parce qu'elle est nécessaire, mais qui sera la première réforme d'un second quinquennat. Parce que j'ai la conviction que comme on ne fera pas la réforme telle qu'elle a été proposée, et donc qu'elle n'a pas prospéré. Il faudra la faire, parce que nous devrons travailler plus d'une manière ou d'une autre pour sauver notre système de retraite. Nous devrons le faire, parce qu'il faut le sauver. Le candidat Macron aura la réforme des retraites à son programme. Il convient qu'il la refasse légitimée par le vote populaire. Ça me paraît indispensable pour que cela se passe dans des conditions convenables. Donc, Emmanuel Macron, presque sans aucun doute, candidat, mais avec quel programme? C'est ce que me disent les Français, M. Lescure.
Mais figurez-vous que nous avons peut-être, un peu par hasard, décroché une manière de scoop en recevant récemment notre amie Lynn Renault sur ce plateau à votre place. Elle évoquait la fin de vie dans la dignité. Les gens souffrent alors qu'on sait que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut partir avant. Mais d'ailleurs, c'est dans le prochain... Vous allez monter un téléfilm. Non, pas le téléfilm. Non. C'est dans le programme du président. Alors c'est un scoop alors. Ça reste entre nous, Lynn. Il vous l'a dit que ce serait au programme de débattre autour de la question de la mort dans la dignité. De mourir dans la dignité. Une nouvelle mouture de la réforme des retraites et sans doute cette question de société importante. Vous savez, ce que l'histoire récente nous enseigne, c'est que chaque grand débat de société, ça a été le cas des mariages pour tous, de la PMA, etc., doit faire l'objet, là aussi, d'un débat public. Et en France, au fond, l'élection présidentielle, le débat de l'élection présidentielle s'y prête. Ouais. Et par quinquennat, il y a à chaque fois eu une grande réforme qui touchait au plus intime de la vie et en l'espèce de la mort. Et donc moi, il me semble évidemment légitime que ce sujet soit mis sur la table. Et en tout cas, j'ai toujours freiné, et parfois je me suis fait engueuler par mes collègues, en disant on ne peut pas faire ça alors qu'on ne l'a pas porté solennellement et en profondeur dans le débat avec les Français. Alors on nous dit oui, mais les sondages... Enfin, les sondages, c'est des sondages. Je pense que si un candidat ou plusieurs candidats disent « si je suis élu, voilà pourquoi je ferai ceci ou cela, que ça fasse l'objet de débats, etc. », à ce moment-là, il doit le faire. Et il me semble que ces grandes réformes ou ces grands mouvements de société doivent avoir été expressément validés par le suffrage universel. Et donc, ce que dit Mme Lynn Renault me paraît tout à fait vraisemblable et en tout cas, pour ce qui me concerne, hautement souhaitable. Ah ben voilà. Voilà. C'est clair. Alors parlez-nous de cette maison commune Ensemble Citoyens. On en a vu quelques images tout à l'heure. Vous avez réussi l'exploit de mettre Édouard Philippe et François Bayrou sur une même tribune avec tous les petits éléments de l'archipel partisan qui gravite autour de la possibilité d'une île. La majorité présidentielle, voilà. Est-ce que ça va au-delà d'être une machine à délivrer des investitures pour les prochaines législatives qui est élection qui représente un assez grand péril pour la majorité dans l'hypothèse d'une réélection du président Macron. Bon, d'abord, ça fait beaucoup de si. Hein, oui. Parce que, vous savez, les Français, ils sont cohérents. Si le président de la République est élu, ils ne vont pas lui proposer d'aller inaugurer les chrysanthèmes. Vous êtes sûr de ça ? Ils vont lui proposer d'agir. Ils vont souhaiter qu'il agisse. Oui. Et les Français savent que pour agir, mieux vaut avoir une majorité à l'Assemblée que ne pas en avoir. Oui, mais bon. Vous savez, il y a 365 circonscriptions, oui, oui. Ça peut se... 577. 77, pardon. 577 députés, oui. Ben oui, bon. Patrick. Mais ça, on verra bien. Ce à quoi ça sert, la maison commune, comme vous dites, ça sert simplement à faire en sorte que celles et ceux qui, en 2016 ou 2017, ont soutenu le président de la République, c'est-à-dire les marcheurs et puis le MoDem, et ensuite les premiers ministres et les membres du gouvernement et la majorité qui ont porté sa politique, eh bien, se retrouvent rassemblés, avec les sensibilités différentes que cela représente, pour être prêts le moment venu. Ça veut dire que vous avez besoin d'Édouard Philippe et de son mouvement pour faire élire des députés à l'Assemblée nationale. Ah ben, dans tout la le monde n'a pas besoin. Ça. La République en marche toute seule, ça ne suffirait pas à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Non. Ce que je vous dis, c'est qu'il s'agit de rassembler et de fédérer toutes les forces qui ont permis en 2017 de réussir et de mettre en œuvre la politique pendant tout ce temps. Parce que je vais vous dire quelque chose quand même, Madame Lemoine, c'est que si on fait un tout petit peu d'histoire, à la fin du quinquennat Sarkozy, il y avait le président du groupe, M. Copé, et le président de la République qui se cognaient dessus. Bon, à la fin du quinquennat Hollande, il y avait les frondeurs et les snipers, tous embusqués. Là, tout le monde est rassemblé. Oui, enfin, sauf ceux qui sont partis en cours de route. Hein. Oui, quoi, 25. Ah ben, qui vous ont fait perdre la majorité absolue à l'Assemblée. Mais la majorité, elle est de 345 députés aujourd'hui. Oui.
avec ceux qui l'ont rejoint. Si vous faites des additions, faites-les dans les deux sens. Ça marche comme ça. Bon. Donc la majorité est stable et surtout elle est enthousiaste à l'idée de se rassembler et de soutenir le président de la République. Ça c'est la première chose. Et ça me paraît très important. Il n'y a pas de bisbille. Ensuite, c'est quand même un sacré contraste avec l'éparpillement total de celles et ceux qui se prétendent un peu de gauche, beaucoup de gauche, d'extrême gauche ou je ne sais quoi. À droite, on voit très bien qu'il y a quatre personnalités qui se disputent le leadership, d'ailleurs on ne sait pas sur quelle base programmatique sérieuse, et même à l'extrême droite, nous l'évoquions au début, il y a deux candidats qui essayent de montrer qui est le plus facho des deux. Bon, voilà la situation. Donc, le seul endroit où il y a de la crédibilité, de l'unité et du rassemblement, bah oui, je vous le dis, c'est chez nous. Et ensuite, cette ambition, ce n'est pas simplement de gagner des élections, c'est déjà une belle ambition, parce que c'est difficile de gagner des élections, surtout dans ce contexte-là. Parce que moi, je ne crois pas du tout que ce soit tout cru, ni pour le président de la République, ni pour une majorité. Je ne crois pas ça une demi-seconde. Mais c'est aussi pour structurer notre vie politique française. Au fond, Emmanuel Macron a posé comme principe, quand il s'est proposé aux Français, je propose le rassemblement par le dépassement des clivages. Ça veut dire, d'où que vous veniez, si vous êtes d'accord sur les valeurs, si vous êtes d'accord sur le projet, eh bien, venez. De sorte qu'il y a des femmes et des hommes de gauche, comme moi, et je vous rappelle qu'au début, ce n'était que des femmes et des hommes de gauche qui ont tendu la main à tous les républicains de toutes les rives. Mmh. Et Macron lui-même se disait de gauche. D'où il l'est d'ailleurs. D'où ensuite Édouard Philippe nommé Premier ministre, aujourd'hui Jean Castex, des écologistes qui sont présents et des femmes et des hommes de gauche qui nous ont rejoints. Et donc, la maison commune rassemble toutes ses forces, structure notre paysage, et j'espère bien que ce qui va se créer ainsi survivra à un deuxième quinquennat que je souhaite pour la France et pour l'Europe à Emmanuel Macron. Vous restez avec nous parce qu'on continue à évoquer l'actualité, notamment avec la story de Mohamed Bouafsi. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Mohamed, les témoignages se succèdent, la parole se libère. Greta Becaglia est une journaliste sportive italienne. Samedi soir, elle est en duplex depuis Florence, alors que l'équipe locale, la Fiorentina, vient de perdre le derby face à Empoli. Mais elle stoppe net son direct, et ce n'est pas à cause de la mauvaise retransmission du signal. Provaci, questa sconfitta, raga. Scusami, non puoi fare questo, mi dispiace. Vai, non te la prendere, non te la prendere. Bene. Non te la prendere. Allora. Evidentemente in questo mucchio di tifosi il quoziente intellettivo è strisciante. No. Sono comunque molto arrabbiati. Sì, arrabbiati per questa sconfitta. È anche un po' ignoranti, devo dire. È anche un po' ignoranti. No, molto ignoranti, sì, devo dire molto. Maleducati più che altro. Vous l'aurez sans doute remarqué pendant son direct, un supporter lui pince les fesses. Greta Becaglia a porté plainte. Le présentateur en plateau a été suspendu après lui avoir expliqué qu'elle ne devait pas s'énerver. Ironie du sort, cette scène a eu lieu pendant le week-end où le championnat italien rendait hommage à toutes les femmes victimes de violences. En France, depuis plusieurs mois, ce n'est pas autour des stades qu'on parle de violences sexuelles, mais en politique. Fiona Texer est une ancienne collaboratrice parlementaire. Elle est aujourd'hui conseillère à la mairie de Paris. Elle est à l'initiative d'une tribune dans Le Monde pour un MeToo politique signé par 285 femmes engagées en politique. Fiona Texer a été agressée sexuellement. Elle témoigne. Moi, on m'a fait évidemment des blagues, hein, des remarques physiques sur mes jambes, les injonctions à sourire, les yeux, etc. Et puis, il y a des choses parfois beaucoup plus poussées. Moi, je me souviens d'un dîner avec le président de la République où, pendant le dîner, il y a un sénateur qui passe sa main sur ma cuisse, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On ne va pas taper un scandale au milieu du dîner, c'est pas possible. Ils choisissent très bien leur moment, en fait, pour nous mettre en difficulté. Le sénateur, c'est notre employeur, et notre employeur, il peut tout simplement utiliser de ce qu'on appelle la clause de loyauté. C'est-à-dire qu'il peut, sur la base d'une rupture de confiance, sans autre preuve, licencier son collaborateur ou sa collaboratrice. Cet après-midi, une ex-députée m'a confié avoir quitté le monde politique en raison des multiples remarques sexistes et misogynes. Une femme qui ne se dit pas encore prête à témoigner. Hier soir, sur le plateau de C'est à vous, l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a dénoncé le comportement de l'ex-ministre Jérôme Cahuzac. Un témoignage sidérant. Au moment où vraiment il a compris que je ne céderais pas, à ce moment-là, il est devenu
absolument odieux. J'en ai parlé à tous les gens à qui je pouvais en parler à l'Assemblée nationale. Et personne ne me croyait parce que, en fait, Jérôme Cahuzac racontait que nous avions vécu une histoire d'amour et que je n'avais pas supporté la séparation et que j'étais folle, que j'étais hystérique, que donc on ne pouvait pas travailler avec moi. Il avait raconté ça en inversant les choses, qui est un grand classique d'ailleurs de tous les cas de harcèlement sexuel ou de violence sexuelle en général. Il avait totalement renversé les choses. Richard Ferrand, vous étiez député et en 2012 au Parti Socialiste, vous avez sans doute croisé ou travaillé avec Aurélie Filippetti ou Jérôme Cahuzac. Vous avez assisté ou vous avez eu vent de comportements déplacés de la part du ministre délégué à l'époque ? En 2012, c'était mon premier mandat, oui. Et Mme Filippetti était déjà ministre. Je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec elle. Et pour ma part, Cahuzac devait être ministre du budget. Ministre délégué du budget. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si aujourd'hui survenaient des faits comme ceux que Mme Filippetti dénonce, d'abord à juste titre, parce que je trouve que ce qu'on appelle la libération de la parole, c'est-à-dire que des femmes racontent, rendent public ce qui a pu leur arriver, me paraît extrêmement important. D'ailleurs, je veux dire à la personne qui s'est exprimée avant Mme Filippetti... Fiona Texer. Voilà. Si, elle aurait dû taper le scandale, même à la table à laquelle elle était. Parce que c'est juste inadmissible et c'est scandaleux. Donc, moi, ça ne m'aurait pas choqué qu'elle tape le scandale, comme elle dit. Mais aujourd'hui, pourquoi les choses sont différentes ? Voyez-vous, dès 2013, à l'Assemblée nationale, le président Claude Barthelone a commencé à faire travailler le déontologue de l'Assemblée nationale sur ces questions-là. Mon prédécesseur immédiat, François de Rugy, avait demandé aussi que l'on cherche une réponse en cas de pratique de ce type-là, celle que décrit Mme Filippetti. Et j'ai mis en place, avec la députée Jacqueline Maquet, qui est députée du Pas-de-Calais, aujourd'hui une cellule anti-harcèlement, si je puis dire. Ça signifie quoi, concrètement ? Ça signifie que, outre qu'il y a une sensibilisation par la communication interne qui est très forte, qu'aujourd'hui, toute personne qui serait confrontée à des agissements sexistes ou de type de harcèlement, a à sa disposition un recours, un contact, où elle peut exprimer ce qui lui est arrivé. Et selon ce qui est indiqué, elle peut être épaulée, ici par un avocat, ici par un psychologue si c'est nécessaire, enfin quelqu'un qui l'accompagne, qui la conseille et ne la laisse pas seule face à la souffrance ressentie et vécue. Et enfin, il y a les voies de droit, c'est-à-dire que chaque fois, il faut se tourner vers le procureur. Et chaque fois, on peut alerter le président de l'Assemblée nationale, le déontologue de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, nous sommes mieux armés que jamais pour faire ça. Mais est-ce que je peux vous raconter, si vous permettez, M. Boissy, un point ? Le 4 octobre 2016, première restitution à Strasbourg de ce qu'on avait appelé la Grande Marche. C'est-à-dire, nous avions des dizaines de milliers de gens qui étaient allés voir les Français pour dire c'est quoi la préoccupation numéro un, c'est quoi... Eh bien, ce qui était émergé sur les questions de société, c'était les violences faites aux femmes. 4 octobre 2016 à Strasbourg. Vous savez quoi ? Nous avons subi tous les ricanements. De tout le monde politique, y compris, reprenez les articles de l'époque, y compris de ceux qui ont narré cette soirée, en disant Macron n'a pas de programme, et tout ce qu'il a, ce dont il a parlé, c'est les scènes de ménage. Alors, vous voyez se faire, si vous non, non, le 4 octobre 2016. Oui, mais si vous permettez, il y a quelque chose qui va arriver juste après, qui va aujourd'hui créer une certaine forme de violence chez certaines femmes. Oui, mais ce que je c'est vous une nomination qu'on va en parler dans quelques secondes. Je suis prêt à parler de tout. Mais ce que je veux rappeler, c'est que le 4 octobre 2016, lorsqu'on a dit « voilà un sujet au cœur de la société française », on s'est moqué de nous, à tous égards. Et lorsque le président de la République, en novembre 2017, a dit « je veux faire de l'égalité femmes-hommes la grande cause de mon quinquennat », il a raconté précisément, et tout ça est vérifiable, bien entendu, comment il avait lui-même vécu de part de honte et de malheur intérieur lorsqu'il avait constaté que ce qui avait été récolté comme préoccupation centrale était ce niveau de violence de toute nature faite aux femmes dans notre société. Et à l'époque, croyez bien que c'était pas la une et on n'en parlait pas dans les émissions. Richard Ferrand, la une de Paris Match demain,
avec ce titre, le scandale Hulot, 20 ans sur l'Omerta, enquête sur ceux qui savaient, avec de nouveaux témoignages dans le magazine de demain. Le président de la République s'est exprimé aujourd'hui en Conseil des ministres en expliquant qu'il fallait que la parole se libère et que c'est très bien qu'elle se libère, en ajoutant que la justice ne se fait pas dans les médias et qu'il ne faut pas voir de tribunaux médiatiques. Vous qui avez participé à la campagne présidentielle de 2017 et qui avez forcément conseillé le président lors de la formation du gouvernement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui parlent d'Omerta et ceux qui vont même plus loin, qui critiquent la majorité et qui expliquent même que la majorité a couvert Nicolas Hulot ? Au moment des révélations. Au moment des révélations 2018 avec l'hebdo. Tout ça me paraît absurde. D'abord, que la parole se libère est essentiel. Premier point. Deuxième point, qu'en effet la justice soit rendue dans les tribunaux au nom du peuple français. Pardon, mais si le président de la République, garant de l'indépendance de la justice, ne dit pas cela, je ne sais pas ce qu'on fait. Bon, donc tout ça ne me paraît que de très normal que de rappeler ces principes de fond. Ensuite, je ne vois pas en quoi... Enfin, moi, je n'ai jamais entendu parler de ces histoires-là. Je n'ai pas lu Paris Match. Mais vous comprenez, on ne peut pas soudain rendre comptables toutes celles et tous ceux qui ont pu travailler ou côtoyer Nicolas Hulot de connaître sa vie, quelle qu'elle soit, etc. J'ajoute qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez bouleversante où il y a des témoignages qui sont tout de même poignants, dont on peut mesurer la souffrance ressentie par les personnes qui s'exprime. Et c'est d'abord à elle qu'il faut penser. Ensuite, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qu'a-t-il mis en place depuis quelques mois ? Le fait que même lorsque les faits sont apparemment prescrits, il y ait systématiquement cette matière, une saisine du parquet, qui soit corrobore le fait que ce soit prescrit, mais prend en compte les témoignages de ceux qui s'expriment, mais par surcroît mène l'enquête pour vérifier s'il n'y a pas eu de nouveaux faits qui se sont déroulés depuis. De sorte que celui qui en serait l'auteur, et comprenez que j'utilise le conditionnel, parce que, comprenez, le lynchage aussi, il faut se méfier de tout ça, il faut parler de ça avec beaucoup de retenue. Nous ne sommes pas en effet des juges, ni vous, ni moi. Eh bien, que les enquêtes puissent être conduites et que, si d'aventure, les choses doivent relever de la justice, eh bien, elles soient punies avec une sévérité accrue, car nous avons voté des dispositions pour que ce type d'acte soit puni plus sévèrement que par le passé. Merci Mohamed. À tout à l'heure pour la story média. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Belliard. Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous. Salut Mathieu, bonsoir. L'Allemagne va-t-elle imposer la vaccination ? Ce n'est plus un tabou, en tout cas, seuls 68,5% des adultes sont totalement vaccinés outre-Rhin. Et c'est le futur chancelier Olaf Scholz qui relance le débat. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir auch einrichtungsbezogen eine Impfpflicht durchsetzen für die dortigen Beschäftigten. Der Deutsche Bundestag ist da auf dem Weg. Ich selber habe gesagt, was wir auch noch brauchen, ist, dass wir ein Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringen, wo jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen abstimmt über eine allgemeine Impfpflicht. Olaf Scholz qui prend ses fonctions dans 5 jours. Dans les enquêtes d'opinion, les Allemands se montrent plutôt favorables à une telle mesure. Ich glaube, dass ein kompletter Lockdown nur das Einzige ist und Impfpflicht für alle. Also ich würde schon erwarten, dass jetzt bald der Lockdown dann kommt und auf jeden Fall stärkere Maßnahmen. Schöner wäre es, wenn sich einfach alle impfen lassen. Punkt, Ende. Wir haben uns alle impfen lassen, ob es Masern, ob es Mumps ist. Und das schon seit keine Ahnung wie lange. Einmal Hü, einmal Hot, mir gefällt das überhaupt nicht. Die sollten eine Regelung schaffen und impfen, testen. Und ich glaube, damit kämen wir schon weiter. Nous sommes plus nombreux à être vaccinés en France. Peut-on imaginer une obligation vaccinale ? François Bayrou défend l'idée. Ma hantise, c'est qu'une mutation du virus ne lui permette de s'attaquer aux petits-enfants. Si ça se produisait, notre société n'y résisterait pas. Nous avons déjà 11 vaccinations obligatoires en France. 11 pour chacun des enfants qui naît. Quel problème y aurait-il ? Et dans la foulée, à l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, le président du Conseil scientifique, était auditionné ce matin. Lui reste sceptique. Quand vous avez une petite mamie qui vous dit qu'elle ne veut pas se faire vacciner, qu'elle ne voit personne à 84 ans, eh bien, que fait-on ? Que fait-on ? Alors ça pose la question de l'obligation vaccinale. Si on passait une obligation vaccinale, vous croyez qu'on va leur envoyer les gendarmes ? Hein ? Bon. Et comment on le contrôle ? La primauté sur la santé,
est un élément essentiel. Mais est-ce qu'on doit, je dirais, nous priver quand même d'une certaine forme de liberté ? Beaucoup disent qu'on ne convaincra pas les derniers réticents à la vaccination. Est-ce qu'on peut imaginer voter ce genre d'obligation vaccinale en France ? Écoutez, aujourd'hui, 90% des Français ont eu deux doses. Donc 90% des Français de plus de 12 ans. Oui. Pardon. Oui. Donc, aujourd'hui, l'OMS, professeur Delfraissy, nous dit qu'il faut rester sur la ligne convaincre plutôt que contraindre. Aujourd'hui, nous en sommes là. Et il me semble qu'il nous faut aujourd'hui faire que la troisième dose soit prise. Je suis allé me faire piquer cet après-midi, pour tout vous dire, à 15h, de ma troisième dose. Pas d'effet secondaire ? Pas à ce stade. Sauf si je me mets à radoter. Je vous alerterai. Vous saurez comment ça, à quoi c'est imputable. Ça, ce ne sera pas dû au vaccin. Je vous remercie. C'est aimable. Pas d'obligation pour l'instant, vous dites. Non, on essaye encore de convaincre. Je derniers. Crois qu'il faut essayer de convaincre. Il faut montrer que c'est comme ça qu'on peut éviter tout de même la mort et des formes graves. Puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, on peut attraper, malgré la vaccination, le virus. Mais ce qu'on sait, c'est que le fait d'être vacciné et bien vacciné peut éviter la mort et des souffrances. Et moi, j'ai confiance sur le fait que cela se répande. Après, je ne dis pas que c'est totalement exclu, si véritablement... Et on ne peut pas anticiper les circonstances. Mais si véritablement, comme l'indique François Bayrou, il y aurait des mutations des virus qui rendraient absolument indispensable ou je ne sais quelle considération scientifique. Mais la ligne, monsieur Béliard, depuis le début, ça a été de prendre des décisions qui soient véritablement en cohérence avec l'état de connaissance de la science. Donc l'OMS aujourd'hui dit convaincre plutôt que contraindre. Professeur Delfraissy, président du comité scientifique, vous l'avez entendu, ne dit pas autre chose. Eh bien, on va se caler à ce stade là-dessus, ça me paraît sage. Éric Zemmour, encore lui, s'est donc lancé dans la course à l'Élysée avec un clip qui risque de lui attirer des ennuis. Alors, je ne reviens pas sur le décor, le ton, le discours, on l'a déjà beaucoup fait, mais sur les images utilisées par le candidat, désormais candidat d'extrême droite. Des images par dizaines qui sont des archives, des extraits de films, de clips, des images qui ne lui appartiennent pas. Plusieurs voix s'élèvent, certains parlent de procédure de justice. Dans un communiqué intitulé « Le mépris », la Société des auteurs-compositeurs dramatiques s'engage à poursuivre le candidat. On ne peut prétendre représenter les Français sans les respecter, eux. Le droit moral de chaque auteur est bafoué de manière inacceptable. Beaucoup de problèmes juridiques, beaucoup d'extraits utilisés sans l'accord de leurs auteurs. Jacques Attali, Luc Besson et d'autres envisagent des poursuites. Il est curieux que dans un clip de lancement d'une campagne présidentielle, une personne, un candidat, choisisse de jeter à la vindicte des noms. Même les bâtiments sont furieux. Le château d'Ussé, en Indre-et-Loire, piraterie pure et simple, s'emporte le propriétaire. J'ai trouvé ce clip pathétique, honnêtement. Ouais. Pathétique et nauséeux, à la fois. Toutes les autorisations n'ont pas été demandées et ça provoque quand même pas mal de colère aujourd'hui. Bonsoir Bernard Cerf. Bonsoir. Cerf, vous êtes le neveu de Barbara et vous représentez représentant de la famille de la chanteuse. Exactement. Hier, lorsque vous avez découvert la vidéo d'Éric Zemmour, votre sang n'a fait qu'un tour. Vous y avez vu votre tante. Mais écoutez, comment pouvait-il en être autrement ? Je n'ai pas pour habitude de faire parler les disparus. Bon, mais au hasard des noms cités par l'homme dont je ne citerai pas le nom. Imagine-t-on 15 secondes, Georges Brassens, Charles Aznavour, Jean Gabin, le combattant de la France libre, et bien évidemment Barbara, accepter de servir de caution dans un clip de campagne d'un homme aux idées aussi rances que moisies. Monsieur le Président l'a dit tout à l'heure, très justement, c'est obscène. Pour être bien clair, l'autorisation n'a jamais été demandée à la famille. Jamais, car elle n'aurait jamais été donnée. L'image utilisée de Barbara est extraite d'une émission de télé de 1969. On ne va pas faire la même erreur qu'Éric Zemmour en volant des vidéos, mais la chanson qu'elle chantait, on peut l'écouter, c'est « Mon enfance ». Écoutez. La guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme heurts la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes folles années perdues, oh mes 15 ans, oh mes merveilles, que j'ai mal revenues. Oh les lois fraîches de septembre, et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé, hélas. Je le précise, c'est une image que nous avons
acheter. C'est comme ça qu'on fait. C'est assez ironique quand on sait les polémiques autour d'Éric Zemmour. On parle d'une chanson où Barbara raconte son enfance sous l'occupation. Oui, et à ce propos d'ailleurs, il est quand même tout à fait scandaleux d'entendre dans la bouche de cet homme que le maréchal Pétain aurait servi de bouclier aux Juifs de France. C'est indigne. C'est indigne. Comme je l'ai dit, si Barbara a pu survivre à l'occupation, ça n'est pas à cause des lois maréchalistes, c'est grâce à certains Français qui, au péril de leur vie, ont eu le courage de prévenir ma famille avant que les séides de Vichy n'interviennent. Vous allez poursuivre ? Écoutez, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne m'interdis rien. Je ne m'interdis rien parce que je trouve que les frontières ont été dépassées. Peut-être pourrait-on envisager une action commune avec les ayants droit de d'autres artistes cités. Est-ce que y a une autre question qui se pose juste avant le début de l'émission? La vidéo était encore en ligne sur la plateforme YouTube. Est-ce que vous demandez à YouTube de ne plus héberger la vidéo comme elle l'aurait fait si ça avait été un YouTuber inconnu? Écoutez, ça me paraît le minimum, oui. Et on apprend que Laetitia Hallyday aussi est scandalisée de l'utilisation de l'image de Johnny par Éric Zemmour. En réponse à Éric Zemmour, vous avez aussi rappelé les engagements humanistes de votre tante Barbara aux antipodes de son discours. On va rappeler aujourd'hui que c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et c'est l'un des engagements précisément de Barbara, précisément la lutte contre la maladie. Écoutez cette archive d'Yves Duteil dans C'est à vous. Yves Duteil avec sa casquette de chanteur et celle d'élu local, ça va vous plaire. Elle faisait un spectacle au Châtelet dans lequel elle militait en fait pour la recherche et la lutte contre le sida. Et à la fin de son spectacle, elle envoyait à la volée, comme ça dans le public, des dizaines de préservatifs en disant « protégez-vous ». Et puis, bon, bah, à la fin de cette série de concerts, elle nous a appelés à la mairie, avec Noël, maire adjoint. Et elle nous dit « voilà, il me reste des préservatifs pour ce spectacle, j'aimerais en faire don à la commune ». Et on a vu arriver un mètre cube de préservatifs qu'on a distribué à toutes les communes alentour. Il vous en reste pas ? Non, en plus, à mon avis, là, il serait périmé, oui. Les malades, la recherche, ça, c'est l'une des premières, Barbara, à s'être engagée dans ce combat contre le sida. Oui, elle y a consacré un an de sa vie avec le professeur Pialoux que vous avez reçu sur cette antenne. Elle est allée visiter les malades. Elle a fait énormément pour le sida. Elle est allée visiter les femmes en prison. Elle a soutenu les sans-papiers. Comment peut-on penser une seconde que cette femme puisse être, je dirais, amalgamée aux idées de cet homme? C'est vraiment, encore une fois, pardonnez-moi, c'est scandaleux. Je remarquerai que le nom n'a jamais été cité. Mais vous ne voulez pas citer cet homme, lui qui cite... C'est comme Harry Potter, il y a des noms qu'on ne cite pas. On voit à qui vous voulez, c'est l'homme dont on n'a pas le droit de prononcer, ça commence par un V, c'est ça? C'est l'homme d'extrême doigt, comme dit aujourd'hui le canard enchaîné. Ah, d'extrême doigt, c'est un mot du canard enchaîné. Merci beaucoup Bernard Seff, merci d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. L'Assemblée nationale, Mathieu, a voté l'extension du délai pour avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Jusqu'à présent, l'IVG doit se pratiqué dans les 12 semaines de grossesse. Le texte, je cite, visant à renforcer le droit à l'avortement, augmente ce délai à 14 semaines. À peine au-dessus de la moyenne européenne, ça n'a pas empêché d'être un vrai point de clivage entre les spécialistes. Je vais traduire ce que ça veut dire, Madame la députée. Ça veut dire, puisque nous ne sommes pas capables de vous accueillir à temps, rassurez-vous, nous allons faire une IVG plus tardive, puisque nous avons allongé le délai. Plus le délai est tardif, plus il y a des complications, transformons les IVG en urgence. Il va simplement faciliter l'accès à l'IVG pour des femmes qui découvrent leur grossesse trop tard ou ont un changement majeur de projet de vie, souvent liées à des violences apparues dans le couple ou à d'autres situations. Et là, bizarrement, c'est le corps des femmes et c'est la société qui décide pour elles, comme si elles étaient incapables de savoir ce qu'elles voulaient. C'est un clivage que l'on a retrouvé à l'Assemblée nationale, bien sûr, lors des débats ces deux derniers jours. Toute femme qui a recours à l'IVG a mûrement réfléchi. C'est pas aussi simple que ça. Les femmes, quand elles arrivent à l'entretien préalable, elles n'ont pas forcément pris leur décision. Et donc, peut-être qu'elle souhaite effectivement réfléchir. Ne faudrait-il pas aussi se questionner sur les moyens pour éviter des interventions trop tardives? À 12 semaines, un fœtus mesure 85 mm. À 14, il mesure 120 mm et a la tête ossifiée. Ce qui veut dire qu'il faut couper le fœtus en morceaux. Je suis enceinte de 8 mois
Mais cette grossesse, elle a été choisie, elle a été voulue, et je ne serais certainement pas devant vous en tant que députée ce soir si je n'avais pas eu à l'époque la possibilité d'avoir la maîtrise de mon corps et de mon destin. Richard Ferrand, c'est un texte dont le président de la République ne voulait pas, il l'a dit à plusieurs reprises. Les députés de la majorité ont forcé ce texte contre l'avis d'Emmanuel Macron. Bah écoutez, les députés de la majorité sont souverains. Hein, c'est pas l'exécutif qui gouverne tout dans ce pays, et c'est heureux encore. Bon, non, mais la loi, elle ne fait pas que rajouter un délai de 2 semaines, je tiens quand même à vous le dire. Un, c'est la possibilité pour les sages-femmes, jusqu'à 10 semaines, elles-mêmes, de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse avec instrument, si vous voulez, chirurgical. Jusqu'à présent, ce n'était que médicamenteux. Ça veut dire que la capacité à agir va être élargie, le nombre de professionnels habilités va être plus grand. Parce qu'on sait qu'on manque parfois de médecins dans certains... Et dernier point, c'est de dire que chaque ARS, chaque agence régionale de santé, devra tenir à la disposition des femmes, ce qui n'existait pas aujourd'hui, un répertoire des lieux où elles pourront aller solliciter la pratique d'un avortement. Donc, c'est une avancée. Colossale. Et donc, ces deux derniers points que je viens de vous indiquer sont au moins aussi importants que simplement l'allongement du délai. Et sachez que ce sont 3000 femmes françaises qui vont soit aux Pays-Bas, soit en Belgique, soit en Espagne chaque année. Et pourquoi le président n'en voulait pas si c'est une avancée essentielle? Eh bien, vous le lui demanderez. Suggérez-lui, s'il vous plaît, de venir sur le plateau de C'est à vous. Parce que je ne suis pas son vague-mestre. Non, mais c'est vrai que lui, qui est plutôt dans le camp du progrès, pourquoi est-ce que ça ne lui paraissait pas essentiel de... Lui, pour être précis, parlait du choc traumatique pour les femmes qui subiraient un avortement trop tardif. Une vision des choses qui est quand même balayée par beaucoup d'experts. Oui. Voilà, c'était pour préciser le propos du président. Oui. Eh ben, le mien, il était précis. N'est-ce pas, n'est-ce pas. Merci beaucoup, Richard Ferrand, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci beaucoup, Bernard Seff, d'être venu nous rappeler les combats essentiels de Barbara, artiste magnifique dont on parle régulièrement sur le plateau de C'est à vous. Dans un instant, Françoise Fabian, magnifique Françoise Fabian, qui campe une femme de 78 ans, qui se dit que... Elle n'a plus tout à fait la vie devant elle, mais elle sait qu'il lui reste encore un petit peu. Et pourquoi pas pour tomber amoureuse, et pourquoi pas d'un homme plus jeune qu'elle. Parce que Françoise Fabian assume de plaire aux hommes plus jeunes qu'elle, et inversement. Elle est notre invitée dans un instant pour nous parler d'un film extraordinaire qui s'appelle Rose, et qui prouve que la vieillesse n'est pas un naufrage. Marie-Dariussecq sera également notre invitée pour le dîner de C'est à vous. A tout de suite.